Merci de nous honorer en écoutant nos programmes. Bienvenue au Journal des Sports sur Hit FM Radio 103.0, Elite One, 20e journée. L'Aigle Royal de la Ménois s'envole, Feuteux FC se réveille, UMS de Loum sombre, New Star stoppé. Aigle Royal y croit plus que jamais opposé à l'Union Sportive de Douala. C'était mercredi, El Pacha ne partait pas favori. Et pourtant, c'est bien la lanterne rouge de la MTN Elite One qui a remporté la rencontre face à Denasara Gamakai, totalement apathique. Yannick Okala a ouvert le score sur une belle reprise. Puis, après l'égalisation de Patrick Ekandjoum sur une belle passe de Ejakpor à la 57e minute, Emmanuel Chengueya a redonné l'avantage au sien d'une superbe tête avant de s'offrir un doublé en seconde période pour le 1-3. Minkrio Beroué et ses hommes enchaînent une troisième victoire d'affilée et quitte la dernière place au profit de la Colombe du Jaé Lobo, tenue en échec par Bamotos de Mbouda, 0-2. L'équipe du Sud reste sur une série de 8 matchs sans victoire. Toujours dans le bas du tableau, Yafout est allé prendre un précieux point sur la pelouse de l'Unisport du Onkam, 1-0, tandis que Dragon de Yaoundé a arraché la victoire sur la pelouse de Fovu de Baham, 2-1. Dans le même temps, Coton Sport de Garoua a dominé les débats face à APGS Dumfu. Les joueurs de Bertin et Boulé se sont imposés 1-2 grâce à des réalisations de Marius Moualmadi et Serge Andoulo. Emmanuel Koufana avait pourtant réussi à égaliser sur pénalty pour les académiciens Dumfu. C'est le 16e match sans défaite pour le club de la Benoué qui prend ses distances sur ses poursuivants en tête du classement. En ouverture de la 20e journée, Edin Sport a mis fin à la série de 4 victoires de rang de New Star de Douala, battu 1-0. Le club de la Ligue s'est imposé grâce à un pénalty transformé par Emmanuel Nguidjol Bayemi. Le jeune attaquant a inscrit son 9e but de la saison. Feuteux FC a retrouvé le chemin de la victoire contre les Astres de Douala, 1-0, alors que UMS de Loum a chuté à domicile contre AS Fortuna de Yaoundé, 0-1. Lyon Sport Academy et Stade Renard de Melon se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. À présent, voici le classement non officiel à l'issue de la 19e. À présent, voici le classement non officiel à l'issue de la 20e journée. Première équipe Coton Sport de Garoua, 41 points. Deuxième UMS, 33 points. Troisième Fovu de Baham, 32 points. Quatrième Lyon Sport, 32 points. Cinquième Feuteux, 30 points. AS Fortuna, 6e, 30 points. Septième Unisport du Onkam, 29 points. Huitième Union de Douala, 27 points. New Star a également 27 points, mais est 9e, 10e, Bamotos 26 points, Eding Sport 11e, 26 points, 12e Stade Renard 25 points, APGS est 13e, 24 points, Dragon 14e, 23 points, les Astres sont 15e avec 22 points. Dans la zone rouge, Yafout 19 points est 16e, Aigle 19 points 16e et enfin la Colombe du Jaé Lobo qui est bon dernier désormais avec 17 points. À présent, voici les combinaisons de la 21e journée. En attendant la confirmation de la Ligue de football professionnelle, les Astres vont affronter Bamboutos de Mbouda, New Star Unisport du Onkam, Fovu UMS de Loum, Yafout et Ding Sport de la Ligue, Dragon de Yaoundé, l'Union Sportive de Douala, Feuteux FC, Colombe du Jaé Lobo, Lyon Sport Academy à Puges de Mfou, Aigle Royal de la Ménois va recevoir Stade Renard de Melon et enfin Fortuna qui sera opposé à Coton Sport de Garoua. Avant de quitter l'Elite One pour amorcer l'Elite Two, on rappelle que c'est la crise désormais au sein de l'Union Sportive de Douala. Une crise qui a d'ailleurs emporté Ernest Arbor, l'ancien coach principal. Le technicien a remis sa démission au club mercredi soir après la claque reçue contre Aigle Royal de la Ménois, 1-3 à Limbé. Ernest Arbor, ex-entraîneur de Sahel de Marois et par ailleurs sélectionneur adjoint des A-Prime, a décidé de quitter ses fonctions pour résultats insuffisants. Le club de la capitale économique alignait 3 défaites d'affilée depuis la reprise de la phase retour.
En autant de journées, l'équipe a empaqueté un stock important de buts contre Stade Renard de Melun, 1-3, New Star, 1-2 et Aigle Royal de la Ménois, mercredi, 1-3, soit 8 buts au total. Des faits qui ont emporté le coach Arbor dans la crise et qui l'ont poussé à remettre sa démission à ses dirigeants. Ce départ pourrait peut-être créer une motivation supplémentaire. Son adjoint Wallandium Daniel aura la lourde charge de mettre en place une nouvelle philosophie pour relancer la machine. Ernest Arbor est le 12e entraîneur du championnat à quitter son banc de touche cette saison. Il laisse les Nassara Gamakai à la 8e position avec 27 points pour un bilan chiffré de 20 matchs, 7 victoires, 7 nuls et 6 défaites. À présent, l'élite tour avec la reprise, nous le disions encore hier, de la 16e journée qui marquait également la phase de retour de ce championnat. PWD de Bamenda chute, Tonnerre s'impose, Canon de Yaoundé cale. C'était la reprise, on le disait, en élite tour au terme de cette 16e journée. Le champion honorifique de la phase aller, PWD, s'est incliné sur la pelouse de Avion Duncam. 1-2. Le club de Bamenda conserve tout de même son fauteuil de leader malgré cette défaite. Tonnerre Clara Club est allé s'imposer autant pour moi sur la pelouse de National Polytechnique 0-1, tandis que son frère ennemi, le Canon Sportif de Yaoundé, a été accroché par Ngaoundé University 1-0. Les Mokok Mongonda se sont déplacés dans la Damawa sans leur entraîneur principal Joseph Ngoué, récemment opéré à l'œil. Renaissance de Ngoumou a infligé une correctionnelle à Dynamo de Douala, 3-0, remonte à la 7e position au classement. L'homme blessé de Futuni a été accroché par Bamboulette au thème d'une rencontre riche en buts. 2 au sifflet final. AS Étoile Meki et Racing de Bafoussam se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0, tout comme AS Matilo et la Panthère Sportive d'Undi. L'actualité internationale. Notre page étrangère avec la collaboration de nos confrères du site plusdefoot.com. Transfert Samuel Eto'o de retour en Italie. C'est une interrogation. Selon les informations relayées par la presse italienne, Samuel Eto'o serait sur le point de s'engager avec la Lazio de Rome. Le buteur camerounais âgé de 37 ans de Igli Taré, le directeur sportif du club de Serie A, ont eu un entretien de près de 4 heures mercredi d'après le quotidien italien Corriere dello Sport. Cependant, aucune information n'a filtré. Les prochains jours devront déterminer l'évolution de la situation entre Samuel et la formation de Rome. Le meilleur buteur de l'histoire d'Antalya Sport connaît bien le championnat italien puisque passé par Inter 2009-2011 et la Sampdoria de Gênes en 2015. Samuel Eto'o a paraffé un contrat de 2 ans et demi en janvier avec Konya Sport en provenance d'Antalya Sport. Le Camerounais a aidé son actuel club à se maintenir en Turquie Super League en inscrivant 6 buts en 13 rencontres. Arrivé en Turquie lors du Mercato Estival 2015, le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables a fait trembler les filets à 50 reprises en 90 rencontres. Transfert, nous restons dans le même registre. Le SCO Angers, car Toko Ekambi aurait choisi Villarreal. Pisté par plusieurs clubs en Europe, car Toko Ekambi pourrait découvrir la Liga la saison prochaine. Selon une information de l'équipe, l'attaquant du SCO d'Angers serait sur le point de s'engager avec le club espagnol de Villarreal. Le sous-marin jaune serait prêt à dépenser près de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur camerounais. D'un point de vue sportif, cela représenterait une grosse perte pour le club angevin. En effet, Toko Ekambi a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives cette saison. Enfin, Partizan Belgrade, Leandro Tawamba, vainqueur de la Coupe
de Serbie. Eh bien, l'international camerounais et ses coéquipiers du Partizan Belgrade ont remporté la finale de la Coupe de Serbie mercredi contre le FK Lados sur le score de 2-1. Le club de la capitale serbe a pourtant concédé le premier but de la rencontre venu de Janko Tumbasevic. Le FK Partizan réagit 10 minutes plus tard grâce à une réalisation de Marko Janković. La formation du Lion indomptable Leanne Tawamba prend finalement l'avantage à l'heure de jeu après un but salvateur de Saza Gelar. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Leandro Tawamba, convoqué par Alexandre Bellinga en vue du match amical Cameroun-Burkina Faso du 27 mai prochain, rejoindra la tanière avec sa médaille dans la valise. Avant de nous quitter, nous vous rappelons juste que le Cameroun abrite la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun le 26 mai, donc dans quelques jours. Et le 27 du même mois, les Lions indomptables, on le disait, affrontent en amical le Burkina Faso du côté de la France. C'était le journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Ici Michel Ateba. L'actualité des sports.